Imagine un seul instant que tu n'aies plus jamais à payer une seule facture d'eau, de gaz ni d'électricité. Pas mal. Imagine en plus que la maison que tu habites soit une maison dépolluante, c'est-à-dire qu'elle est faite, elle est constituée de ce qui normalement est considéré comme des déchets non recyclables. Ça serait quand même vachement sympa, mais imagine en plus que cette maison soit capable de produire ta propre eau, celle avec laquelle tu te laves, mais également celle que tu bois, mais en plus une maison capable de produire de la nourriture. Et tu me dis, Jérémy, c'est pas possible, là, t'as pété un plomb. Et bah, tu sais quoi? Si, cette maison, elle existe, ça s'appelle un Earthship. Sabrina et Frédéric l'ont fait, et ils nous expliquent tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Cette chaîne s'appelle Frugalisme. Le frugalisme, c'est l'art d'apprendre à en faire plus avec moi. En fait, c'est une chaîne qui est dédiée à l'indépendance financière au travers du frugalisme notamment, puisque le frugalisme fait partie des techniques, des choses qu'on peut essayer de mettre en place si on veut essayer d'être moins dépendant de notre job, d'être moins dépendant de la société de consommation. Faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, y a énormément de souffrance au travail. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore un, ça devient vraiment terrible. La souffrance, au quotidien, c'est devenu une certaine forme de norme. Moi, je m'insurge contre ça depuis des années. Et puis, en plus de ça, il y a une espèce de conscience écologique qui est de plus en plus forte. Et c'est très bien que les gens se réveillent enfin et essayent de comprendre que, à un moment donné, trop, c'est trop. Notre planète, elle est à bout de souffle. Et puis, il faut essayer de trouver des manières, des moyens d'arriver à réduire notre production de déchets. Voilà. Tout ça, c'est possible tout en arrivant à être moins dépendant, tout en arrivant à faire des économies, tout en arrivant à s'approcher d'une certaine forme d'indépendance financière. Faire des économies au quotidien n'est pas suffisant pour devenir indépendant sur le plan financier, soyons clairs. Pour apprendre vraiment à être indépendant sur le plan financier, il va aussi falloir apprendre à investir. Investir de manière intelligente, que ça passe par de l'immobilier, de la bourse ou de l'entrepreneuriat. C'est tout ce que j'explique, notamment dans mes programmes de formation. Pour précision, il ne s'agit pas simplement d'une formation telle qu'on peut les voir d'habitude sur Internet, mais elle s'accompagne de séances de coaching parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas de cas général, il n'y a que des situations et des cas particuliers. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de mettre ça en place, pour essayer de vous apporter un maximum de valeur, pour essayer de vous aider vraiment au quotidien à avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Je te rappelle qu'il y a toujours la première partie de ma formation. Il s'agit de plus d'1 h 40 de vidéo qui est complètement gratuite et disponible sur le lien qui est ci-dessous. Et également le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des économies au quotidien. À toi de jouer maintenant, tu as toutes les clés en main si tu souhaites devenir libre et retrouver la maîtrise de ton temps. Merci encore une fois de m'accueillir ici. Est-ce que vous auriez peut-être la gentillesse de nous expliquer où on est et puis de vous présenter par là même? Je laisse commencer. Ouais. Alors moi c'est Sabrina, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants et on vit dans l'Oise, dans une région plutôt sympathique, très verte. Verte donc ça veut dire pluie et soleil. Et oui. Donc intéressant pour un archi. Et moi j'ai 56 ans, j'ai 2 enfants aussi, pas les mêmes que Sabrina d'ailleurs. Et entrepreneur depuis une quinzaine d'années et avant j'étais ouvrier dans une société. Et voilà quoi, j'habite aussi dans l'Oise avec Sabrina. Bah oui. Mais oui, parce qu'en fait ici on est chez vous, ouais. On est dans la maison que vous avez construite et qu'on appelle... Earthship, ah, Earthship, construite en 9 mois. Earthship inspiré. Ah ouais. Pourquoi inspiré? Parce que le nom Earthship, ça a été déposé par Michael Reynolds, et donc c'est lui qui a l'exclusivité en fait de ce nom. Et inspiré aussi parce qu'on n'a pas travaillé avec Michael Reynolds. Ah oui, d'accord. Donc on ne l'a pas fait venir, on s'est inspiré de ce qu'il a fait. En bonne langue française, on appelle ça comment? Un géonef. Un géonef. Et Earthship, ça veut dire vaisseau de la Terre. Un vaisseau, bon, c'est la même chose en fin de compte. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble quand même, je sais pas, à une super belle maison un peu plate comme ça. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. C'est une maison qui est complètement autonome. On peut être complètement déconnecté de notre, on va dire, de nos...
de nos connexions, c'est-à-dire connexion électrique, connexion à l'eau, c'est un moyen de vivre en autonomie. Non, parce qu'on n'a pas encore l'autonomie alimentaire complètement, mais c'est un moyen de gérer sa propre consommation d'électricité, d'eau et de chauffage aussi, parce qu'on est autonome dans ces trois domaines-là. Alors attends, là, ici, tu es en train de m'expliquer que dans votre maison, tu es raccordé ni à l'eau, ni à l'élec. Oui, c'est ça. C'est un truc de ouf. Pas de raccordement. On prie tous les jours pour qu'il y ait du soleil, pour que ça recharge nos batteries, bien évidemment. Il y a une autre gestion par rapport à, on va dire, personnes qui vivent en appartement, c'est-à-dire que tu mets en route ta machine à laver, tu mets en route ton lave-vaisselle, tu mets tout ça en route sans aucun problème, tu mets ta bouilloire en route. Nous, on n'a pas de bouilloire. Ouais. La machine à laver, on la met en route quand c'est plein soleil. Ouais. Il y a des gestions comme ça qui sont un petit peu particulières, mais ça nous permet aujourd'hui de ne payer que ce qu'on a eu comme matériel et après, on se débrouille, quoi. Je pense que là, vous avez réalisé le rêve de je sais pas combien de milliers ou de millions de Français, ne plus jamais payer de factures d'électricité, d'eau, de chauffage, ouais, de gaz. Je vais mettre quand même un tout petit bémol là-dessus. Ouais. En amont, on achète du matériel qui est relativement cher aussi, bien sûr, qui va s'amortir sur un certain temps. On est tout à fait d'accord là-dessus. Après, il faut le gérer correctement pour essayer d'économiser ce matériel-là et lui tenir une longue vie, quoi, hein, bien évidemment. Après, l'électricité qu'on achète à l'extérieur, c'est eux qui gèrent tout ça hein, pour nous. Hein, mais à côté de ça, on nous fait payer un contrat d'abonnement. Ouais, là, on est vraiment dans une approche frugaliste à 100%, bah, parce qu'on est vraiment dans l'idée d'en faire plus avec moins, hein, dans l'idée d'avoir vraiment arrivé à... Voilà. Et là, ça passe vraiment par nous. C'est notre gestion qui va déterminer la vie de nos batteries qui sont derrière. Et ça, c'est le plus important. Alors après, on peut se passer des batteries, hein, avec tous les panneaux photovoltaïques qu'on a devant. On a 4700 watts de panneaux photovoltaïques. Ça peut fonctionner quand il y a du soleil. Earthship, c'est un nom anglais, c'est de l'américain. C'est quoi? Ça vient d'où? C'est qui? Alors, Earthship, c'est l'inventeur, c'est Michael Reynolds, ouais, qui a construit son premier Earthship au Nouveau-Mexique dans les années 70. D'accord. Cette personne-là, pour moi, c'est un survivaliste. Lui, la fin du monde, c'est tous les jours. Il a voulu se sortir de ça et créer, en fait, au Nouveau-Mexique, il est en plein désert, il a voulu créer son village avec tout un tas de personnes qui sont dans la même philosophie et de faire grandir ce concept-là. Ce qu'il a réussi à faire, parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a quand même quelques Earthships qui ont été construits, dont 6 en France, c'est ça? Il y en a 7 en France et puis d'autres qui sont en train de se construire. Voilà. Mais ça ne se développe pas, pas plus que ça. Après, il faut vraiment être à la recherche de cette autonomie pour trouver sur cette personne-là, pour tomber sur cette personne-là. Alors, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Garbage Warrior, qui présente un petit peu tout le parcours de ce monsieur entrepreneur Michael Reynolds, hein, et puis notamment les difficultés administratives qu'il a pu connaître, parce que des habitations comme ça, voilà, t'imagines toute la guerre qu'il a pu y avoir avec des lobbies pour faire en sorte que ce soit légal de construire des habitations comme celle-ci. Et ça montre également comment, après le fameux tsunami qui avait eu lieu en Asie du Sud-Est il y avait quelques années, il a été allé là-bas pour intervenir avec ses équipes et essayer d'aider à reconstruire rapidement des maisons avec ce que les gens avaient à disposition autour d'eux, c'est-à-dire quasiment rien. Je t'invite vraiment, 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 si tu ne l'as jamais vu, à aller voir ce documentaire Garbage Warrior. Il avait été diffusé il y a quelques années sur Arte, et si je le trouve, je te mettrai les liens en description dans la vidéo. Donc en fait, c'est une maison autonome le plus possible, autonome en tout, et dont les matériaux eux-mêmes sont spéciaux. Pas si spéciaux que ça, parce que en fait, la structure de la maison, principalement, est faite à partir de pneus, 1200 pneus qu'on a utilisés c'est pour faire les murs. Pardon, combien? 1200 pneus. 1200 pneus. Où est-ce qu'on trouve 1200 pneus? Eh bien, quand j'étais voir le garagiste du coin, il m'a dit « Écoute, je te les livre tout de suite, je te les mets où ?» Attends, j'ai dit « Attends, pas tout de suite, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des tailles bien particulières. On imagine des briques, elles sont toutes de la même hauteur, donc les pneus, il faut qu'ils soient tous de la même hauteur. » Les pneus font office de briques. C'est ça exactement, on les remplit de terre, ouais, on les met les uns sur les autres, ouais, avec quelques petites règles quand même. Ouais. Mais ça, on a la particularité d'avoir en France la personne qui a inventé ce système-là. Ah bon? Ouais, c'est monsieur Nguyen, je sais plus comment exactement son nom. Dans les années 80, il a inventé une technique pour faire des digues, des retenues de terre, même des soutènements de voies. Ouais. Et il a étudié avec ces déchets-là comment on pouvait faire. Donc il s'est mis en route. Il est des ponts et chaussées. Hein. Il y a un brevet qui a été déposé. Hein. Donc c'est
quand tu dois faire quelque chose, tu peux aller vérifier comment c'est. On a eu les pneus en fait dans une société de recyclage. Voilà. On n'a pas été dans les garages. Hein. On a demandé si c'était possible, mais c'était trop compliqué d'avoir 1200 pneus. Il fallait faire plein de garages. Et on trouvait que ça nous prenait du temps et du carburant. Et il fallait avoir le véhicule pour pouvoir les ramener. Donc, Fred, il a eu l'intelligence de se dire, mais où vont tous ces pneus? Et donc, il a appelé la société Aliapur pour pouvoir qu'ils puissent nous livrer les pneus. Alors, là, on est dans votre magnifique maison. On fera le tour après pour que tu nous fasses un peu le tour du propriétaire. En fait, tu es en train de me dire que là, je suis dans un tas de pneus, c'est ça? Ouais. Derrière. Le tas de pneus le plus sexy que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. C'est vrai. Ouais. Alors, contrairement à ça, quand on dit qu'on a utilisé les pneus, les gens, la première chose qu'ils disent, ah, mais c'est polluant, patati, patata. Bah, ouais, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, bah, alors, du coup. T'es venu comment? Avec une voiture sur des pneus. Ah, d'accord, ok. Donc. Et oui, c'est vrai. On en a partout, finalement. Voilà. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Alors, pour te dire, il y a plusieurs façons de recycler. Hein. Ouais. Il y en a une, tu peux faire des pistes en tartan, là, les pistes qui sont assez souples, là, pour où vont jouer les enfants. Donc, ce n'est pas polluant, mais pour les enfants, quel rapport, quand même, déjà, si tu fais le rapport entre les deux, ce n'est pas bon, quoi. Mmh. Après, il y a la solution, c'est de les brûler. C'est ce qu'utilisent les cimenteries pour faire de l'énergie, pour faire du ciment. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Des pneus qu'on met dans le sol et qui sont complètement enveloppés dans la terre et qui ne sont pas en contact avec l'oxygène, donc il n'y a plus de développement quoi que ce soit. D'accord. Ou on les brûle en cimenterie pour faire du ciment. Voilà, ouais, le ouais, rapport. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'était quelque chose qui était bien pour nous. Et puis aussi le fait qu'on n'utilise pas de sable, on n'utilise pas d'eau. D'accord, voilà, c'est beaucoup d'énergie qui ne sont pas utilisées. Nous, on prend des pneus, on les met à plat, on les remplit de terre, on la tasse, et puis ainsi de suite, jusqu'à en monter 1200. Waouh, 1200, ce taf énorme. Enfin, parlez-nous un petit peu de ce travail, ouais, de ce chantier de dingue. Ça nous paraît pas si dingue que ça, parce que ça s'est super bien déroulé, et puis il y avait une super équipe. Ouais. Déjà, donc très belle organisation, et puis ça s'est bien passé. On a fait le chantier en 9 mois, donc ça s'est très très bien passé. Et puis, tout le monde avait sa tâche à faire, on va dire, plus ou moins. On savait tous ce qu'on avait à faire, et puis tout le monde avait une compétence particulière. Donc on a mis en fait toutes ces compétences ensemble, et puis on s'est dit, on a monté ça. Et... ça marche comment? Il y a des réseaux de bénévoles en France, il me semble. Oui. Il y a un réseau qui fonctionne très bien, qui a été créé il y a peu de temps d'ailleurs, qui s'appelle TWIZA, T-W-I-Z-A, sur lequel il recense en fait tous les sites d'autoconstruction et de construction écologique qui sont faits en France. Mmh. Et là, n'importe qui peut aller participer. Par exemple, si la plomberie t'intéresse, tu peux aller faire ça. Si le torchis t'intéresse, tu peux aller faire ça. Si c'est de la maison paille, tu peux aller faire ça aussi. Dans différents endroits de France où sont en train de se faire des chantiers. Et à côté de ça, c'est un site aussi pour les professionnels, mais vraiment pour les professionnels dans l'écologie. D'ailleurs, on en a contacté quelques-uns qui ont été vraiment très sympathiques de nous expliquer... gratuitement par téléphone, voilà les techniques, comment on peut faire, ça c'est mieux que ça, voilà, nous orienter quoi aussi. Moi j'aimerais que vous me parliez un petit peu du cheminement qui a fait que vous êtes arrivé à ce truc-là, parce que tu vois finalement, et on le sait, hein, sur l'idée d'être frugaliste, c'est bien évidemment de réduire sa consommation, de faire des économies, mais bien évidemment, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste tout le temps, de réduire ton impact sur l'environnement. Il faut que ça ait du sens en quelque sorte et que ça colle avec ton éthique. Et c'est vrai que dans cette idée-là, il y a plein de manières en quelque sorte, il y a plein de constructions écologiques, c'est quelque chose qui est très à la mode. Pourquoi? Quel est le cheminement? Quelle est la réflexion qui a fait que finalement, c'est ce truc-là qui a collé par rapport à vos attentes respectives. Principalement, c'est parce qu'on a toujours été très férus d'autonomie, quoi. C'est notre truc depuis toujours. Chercher l'autonomie alimentaire. Dans un premier temps. Voilà. Après, ce qui est très difficile en soi. Hein. Mmh. On n'y arrive pas d'ailleurs, ça c'est clair, ouais. Complètement. Mais après, c'est pourquoi on nous vend des produits qui sont transformés pour l'alimentation? Pourquoi on nous vend de l'électricité aussi chère? Pourquoi on nous vend de l'eau aussi chère? Alors, quand on va chercher un petit peu tout ce qui se passe derrière, et puis on voit tout ce qu'il y a, nous, on n'adhère plus à ça.
Donc, on voulait sortir de ça, comment, quoi, hein, et un jour, il y a 10 ans, ouais, 10 ans de ça, je suis tombé sur une petite vidéo de Michael Reynolds, là, de sa construction, là, une petite cinématique, là, sur YouTube. Garbage Warrior aussi, le documentaire, ouais, voilà, qu'il faut ouais, vraiment ça. Voir. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, bah ouais, quoi, ça, c'est la maison vraiment, pour moi, idéale. Alors, dans un premier temps, oui, je suis tombé là-dessus, super. Après, j'ai fait beaucoup de recherches. Après, j'ai monté à Sabrina, voilà, je lui ai montré... elle a vu là, cette petite vidéo aussi, puis elle m'a dit ouais, d'où t'arrêtes toi quand même. J'ai pas dit comme ça quand même. Non. J'ai un peu réfléchi quoi. Voilà, elle a vu la première réaction c'était les pneus. Pourquoi des pneus pour faire une maison? Puis en lui expliquant voilà les phénomènes de la terre, de l'inertie de la terre, les puits canadiens, l'eau qui est recyclée, t'as pas besoin de station d'épuration derrière. Il y a plusieurs systèmes hein, dans le Earthship. Il y a des panneaux solaires, il y a des cuves et les fameux puits canadiens également pour l'alimentation en air. Alors t'en as encore même un petit peu plus que ça. Tu as aussi des panneaux en façade qui sont faits pour récupérer les calories et te faire de l'eau chaude sanitaire. Ouais. Les puits canadiens, comme tu as dit, donc, et puis la récupération de l'eau dans la cellule botanique qui est juste devant là, qui, bah, toutes nos eaux usées vont là-dedans, et en fait, c'est ce qui régénère l'eau, et les plantes se chargent de faire l'évaporation de l'eau et de nous nourrir aussi après derrière. C'est incroyable. Oui, parce qu'en fin de compte, dans le corridor dans lequel on est ici, ça fait comme une espèce de sas entre le dehors, qui est froid, surtout en ce moment, c'est froid et humide, et l'intérieur de la maison, enfin voilà, moi je suis en t-shirt, ça fait quoi. C'est une zone tampon en fait, qui ouais, va aider à tampon, réguler exactement. La température de l'intérieur. C'est ça. Ça s'adresse à qui, ce type de construction? Ben, on espère à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. À tout le monde, parce que en fait, tout le monde peut mettre sa patte en fait dans une maison. On n'est pas obligé de la faire si grande, on peut la faire plus petite, on peut la faire beaucoup plus grande. On en a visité un qui est beaucoup plus grand. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. L'autoconstruction, ça s'adresse aussi à tout le monde, même si on n'est pas bricoleur. Je veux dire, on peut être bien accompagné et puis ça le fait, quoi. Nous, voilà, on avait déjà construit, entre guillemets, ou fait beaucoup de travaux dans des maisons, mais jamais construit entièrement une maison de nos propres mains. Et puis ça le fait, quoi. On s'est formé un petit peu, on a posé des questions à certaines personnes, et puis on l'a fait, et puis voilà, quoi. Ouais, je pense que le tout, c'est d'avoir envie, ça, d'une part, ça, c'est la comme plus tout. Grosse partie des choses. À partir du moment où on a envie, bah, on se renseigne, puis on se transforme. Alors, bah, après, ouais, il y a des petits loupés, hein, bien évidemment, mais ça se corrige, et puis après, on y va. Il y a des difficultés administratives, peut-être, au départ, pour arriver à trouver les terrains. C'est pas toujours, peut-être, évident, en fonction des mairies, en fonction de... C'est ça, en fonction des mairies. C'est ça. Il faut aller voir dans les ça. Mairies. Donc il faut payer le maire, c'est ça? Non. Il n'y a pas que le maire qui prend la pas décision. Pas que le maire. Ça va revenir cher. Bah ouais, non, en fait, il faut vérifier certaines choses. Hein. Un bâtiment comme celui-ci ne peut pas être limitrophe à des bâtiments qui sont classés monuments historiques, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Mais après, il y a un PLU, tu te conformes à ça et puis... Puis il faut aller voir le maire, en discuter avec eux, et ouais. Puis avec lui, et puis voilà quoi. Je suis même pas sûr parce qu'aujourd'hui on n'a pas vu de... Nous non, mais il y a certains ouais. Endroits, je pense que c'est bien aussi d'aller peut-être discuter avec eux, de parler du projet, et puis ça va certainement plaire. De toute façon, ça plaira de plus en plus. Donc la beauté de la chose, si je résume un peu, c'est que non seulement on est dans une maison autonome, mais en plus... C'est toute une espèce d'écosystème qui est là, ici, avec de l'alimentation, avec la récupération des eaux, etc. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ce qu'on vise le plus possible, c'est de vivre avec les saisons, de récolter au moment où... Alors, il faut un peu de temps, hein, mais c'est du temps qu'on passe pas devant la télé. D'ailleurs, il n'y en a pas de télé ici. Comme ça, réglé. Et ouais, c'est du temps à passer à l'extérieur, à préparation, après en intérieur aussi, parce que ben, on fait des conserves, beaucoup, madame. La transformation pour que l'hiver, on puisse consommer tout ça. Ouais. Et des choses qui sont saines pour nous, hein, parce que on sait comment on les a traitées. Bien sûr. Donc l'idée, en fin de compte, c'est de revenir à des choses simples. Ouais. L'essentiel. Qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre? Bah de l'eau, de l'air, bah voilà, l'essentiel. Deux, trois vêtements, pas trop.
Exactement, ouais, c'est ça. Et après, tu vis bien, t'es heureux, et puis après, tu peux faire plein de choses, plein d'activités, des choses sympas, rencontrer plein de monde. C'est clair. Se détacher de beaucoup de choses matérielles qui nous servent à rien. Ah oui, ouais, on en a eu beaucoup. Ouais. On est entrepreneurs tous les deux, on a eu des époques de nos vies, on a très bien, on peut encore très bien gagner notre vie, mais on a décidé de diminuer un petit peu ce rythme de vie-là, parce que pendant un moment, tu pouvais aller voir dans notre garage, quoi, il y avait un tas de matériel là-dedans, bah, qui ne nous servait à rien, quoi. Et puis, un jour, il y a eu un déclic, tu te rends compte que, à quoi ça sert tout ça, quoi, à quoi ça sert? Bon, allez, ça... C'est comme les gamins, tu veux des jouets, ouais, jouer, ça. Tu dis, bon, tu joues et avec. Puis, ça te contente sur le coup, hein, t'es content de l'avoir, hein, très content. Hein. Ouais, une semaine, deux semaines. Tu joues mieux avec un pneu qu'avec un... je suis bien d'accord. Moins c'est mieux, hein, c'est ce que j'écris partout sur ma chaîne, moins c'est mieux. Mais bon, c'est plus mettre la priorité sur les expériences finalement, sur l'humain, que sur la possession. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus enrichissant. C'est bien plus enrichissant. Ouais, ouais. Nous, on rencontre beaucoup de monde dans cet esprit-là aujourd'hui. Le monde depuis peu. Ça nous fait du bien aussi. Moi, j'hésite pas à m'acheter des moments, tu vois. Ouais. Même parfois à mettre cher pour une expérience, peut-être, j'en sais rien, un bon resto, un truc, mais ça, c'est des trucs, c'est... enfin voilà, tu vois, pour moi c'est plus important. mais oui, bien sûr, s'acheter un bon moment, s'acheter des souvenirs. Moi, je veux un Earthship demain, ça va me coûter combien? Ça peut te coûter 75 000 euros. Ouais. Ça peut te coûter beaucoup plus cher. Ouais. 75 000 euros, c'est le prix d'un Earthship qui fait 120 mètres carrés avec trois chambres, je crois. Oui. Et auto-construit. Ouais. Ici, matériaux, on en a eu pour 760 euros du mètre carré. Et on n'a pas regardé... attends que je ne dis pas de bêtises. Ouais. On n'a pas regardé au prix. On a vraiment regardé la qualité des produits. On voulait quelque chose de vraiment très très bien en produit. On n'a vraiment pas regardé au prix, quoi. Ouais. On est à moins de 1000 balles du mètre carré et on est à quoi, une heure de Paris à peu près? Oui. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ouais, comme je dis, hein, faut sortir ses petits muscles. Mais par contre, oui, ça demande de l'investissement en temps. Ben, en temps, parce qu'on travaille et c'est pas toujours évident. Nous, on peut gérer notre temps parce qu'on est indépendant. C'est pas facile pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui construisent des Earthship et ils mettent 3 ans. Ouais. Mais c'est normal, ils travaillent le soir, ils travaillent les week-ends, donc c'est plus long. Mais au final, en fait, ils vont faire beaucoup d'économies. Oui. C'est quelque chose qu'ils vont finir par récupérer sur le temps. Et puis même. Et puis une vie meilleure. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout ça. Tu, en fin de compte, t'investis dans ta qualité de vie. Ah ouais, bah oui. Ça, c'est la première des choses. Et ouais. Et ça n'a pas de prix. Ah, exactement. Waouh. C'est très inspirant, quoi. Les avantages dans l'Earthship, c'est de vivre dans une maison qui est saine. Ouais. Qui est saine parce que la qualité des matériaux autour de toi, c'est que de la terre. Demain, ça peut être déconstruit, ça redeviendra de la terre, ça pose aucun problème. Les avantages aussi, bah, bien évidemment, pas de chauffage, enfin pas de facture de chauffage, pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? D'avoir un peu de légumes à disposition sans avoir besoin de sortir de la maison. C'est le calme, c'est le bien-être, ouais. c'est une énergie, ça c'est beaucoup d'avantages. J'imagine, il y a peut-être des difficultés ou des choses un petit peu plus reloues, je ne sais pas, par rapport à une maison traditionnelle, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans l'équation? Les principaux inconvénients, si ça peut être des inconvénients, c'est que bah, tu réfléchis quand tu allumes ta lumière, tu réfléchis quand tu mets en route ta machine à laver. Quand c'est l'été, tu regardes plus souvent tes cuves d'eau, savoir où ça en est. T'as un stock qui n'est pas inépuisable, donc tu fais attention à ça. Et voilà, bon, aujourd'hui, on va stopper un peu les arrosages de jardin pour éviter de consommer trop d'eau. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Et puis si, la gestion de l'intérieur de ta maison, c'est-à-dire qu'en été, ici, on a eu jusqu'à 39 dehors. Ben, il faut ouvrir les lanterneaux, il faut ouvrir les puits canadiens pour qu'il y ait de la ventilation, quoi. Sinon, ça ne se fait pas tout seul. Dans une maison moderne, tu mets ta consigne à 22 degrés et puis ça se passe tout seul, quoi. Dans les plus modernes, on va dire, soit ça climatise, soit ça fait de la chaleur et puis tu t'occupes de rien derrière. Mais derrière, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'électronique, beaucoup de technicité.
Est-ce que ça en vaut la peine pour nous? Non. J'ajouterais à ça, c'est quand tu pars, on est parti 2 semaines, là, tu dois avoir quelqu'un dans ta maison qui puisse Ouais, c'est. prendre des douches, des bains, utiliser l'eau pour que la cellule soit tout le temps alimentée. Pour que la. Oui, le Voilà. petit jardin qui est dans la Parce serre que ici 2 semaines, reste. bah voilà, tu. Encore là, on est parti pas à une saison où il faisait trop chaud, mais ça, c'est important aussi. Donc ça va, on trouve toujours des amis qui veulent bien rester. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, mais ça pourrait intéresser des tas de gens. Je pense peut-être aussi à des personnes qui seraient intéressées pour peut-être passer une nuit, tu vois, Ça, on fait déjà. via de la location saisonnière, tu vois, ce genre de choses en Airbnb, passer une nuit, découvrir une expérience On dans fait un déjà, environnement on fait des original. visites parce qu'on a énormément de demandes et on fait Évidemment. aussi des week-ends, mais pour l'instant on est lâche avec eux parce que déjà ils aiment bien qu'on soit là parce que on leur explique tout, on prend le temps avec Oui, eux, oui. ils découvrent aussi une façon de vivre, on peut faire des petits ateliers avec eux, etc., sur la cuisine, etc. aussi. Complètement, complètement. Donc ça, on le fait. Donc, et c'est très demandé et on a mis des dates qui ont été remplies en 2 jours. Et là Waouh. maintenant, on est sur 2021 et on a déjà des demandes. Et tous les jours, on a des demandes. Tous les jours. Incroyable, incroyable. Je suis pas du tout surpris, hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Les gens, ils ont envie de venir vivre une expérience dans leur ship, voir comment on s'y sent. Ouais. Et on a déjà eu des couples, un couple qui est venu, s'y sentait tellement bien que les émotions Beaucoup d'émotions. ont pris le dessus. Des amis, pareil, quand ils sont arrivés la première fois, waouh, pareil, les émotions, voilà. Et donc, les gens ont vraiment envie de venir vivre dans un trip pour voir comment ça se passe, comment ça se gère aussi au quotidien, parce que c'est pareil, faut changer un petit peu sa façon de vivre, hein. Faut être plus à l'écoute de sa maison que, comme tu disais tout à l'heure, on appuie sur un bouton, c'est facile, en fait, que là, c'est un petit peu différent. T'anticipes, Ouais. tu anticipes, tu dois anticiper ta façon d'agir au quotidien, ce qui au fond est une, Bah c'est oui, du bon sens tu quoi. réfléchis toujours aux conséquences que ça peut avoir sur une maison qui n'est pas raccordée, quoi. Donc voilà, c'est On quelques questions. s'aperçoit plus que ben, la nature, elle est importante, Ouais. que le soleil est important, que le vent est important, parce qu'on a aussi une éolienne, donc le vent est important, qu'il y a plein de choses, l'eau est importante, que quand tu es chez toi dans une maison traditionnelle, en fait, ben, tout ça, tu l'oublies. Et le fait de revivre avec la nature, tu dis, ben, tu es beaucoup plus proche, et tu dis, ouais, quand même, on est en cohésion avec cette nature, et ça, c'est important. En tout cas, toi, c'est pas toi. En fait, si on prenait si on reculait un petit peu, on pourrait dire que c'est pas toi et la maison, c'est toi dans la maison au sens propre, Ouais, c'est maison ça. vivante, avec un jardin vivant. C'est un écosystème, c'est un ensemble. Ouais, C'est tout à pas. fait. C'est ce Voilà. qu'on a essayé de créer. D'ailleurs, il y a une petite mare, il y a des ruches. Enfin, on essaye de créer un écosystème à nous complet, à Un deux jardin personnes. d'Éden. Un jardin, votre jardin Ouais, c'est d'Éden. ça, Waouh, ok. Alors, sur la chaîne, on parle aussi d'immobilier et d'investissement immobilier. On en a discuté un tout petit peu avant le début de l'interview. Il y a une question que je me pose en fin de compte, c'est que c'est vrai que le Earthship ou le GeoNef en langue française, c'est magnifique, mais on se retrouve du coup avec une maison qui est extrêmement personnalisée. Et je me disais que parfois, ben, on envisage l'immobilier comme un investissement, donc comme une ressource, comme un actif, donc comme quelque chose de liquide, d'accord, qu'on va acheter, qu'on va revendre, etc., etc. Et je me disais, est-ce que ce serait pas peut-être pas un frein, mais quelque chose par rapport à un ownership, parce qu'on va se retrouver dans un bien qui est tellement personnalisé, tu vois, tellement spécifique et tellement, tellement vous. Que tu vois, est-ce que ça pourrait s'envisager comme de l'investissement? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. Moi aussi. Persuadé parce que, comme tu disais tout à l'heure, les gens sont à la recherche d'autonomie aujourd'hui. Ouais. Et bah voilà, il y a un clé en main là qui existe. Prends possession des lieux et puis fais-le vivre comme bon te semble. Ça, c'est quelque chose. Nous, il n'y a pas une personne qui est venue qui nous a dit non, je ne me vois pas vivre là. Donc c'est Ah, bah, pas si. et je m'inclus Donc tu vois, là-dedans. c'est pas si personnalisé que ça. T'enlèves la, on va dire, la déco. Ça reste très naturel et neutre. Tu vois, le bois, ça plaît à tout le monde. Bien sûr. La terre, ça reste couleur terre. Donc c'est pas si personnalisé que ça. C'est personnalisé dans la déco, mais en fait, tout le monde se voit vivre ici. Hein.
Bien sûr. Ouais, et puis moi, je pense que c'est un bien qui est revendable comme un autre. Ah, non, entre parenthèses, pas des personnes, des on va dire, qui veulent habiter dans le standard qu'on nous a vendu aujourd'hui. Après, voilà, c'est plus. Voilà. C'est compliqué. C'est plus des gens qui sont dans la même optique voilà. que nous. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça peut pas être autrement. Et c'est une population qui, dans le même temps, on est de plus en plus nombreux. Bien sûr. On est de plus en plus nombreux. On le voit tous les jours, de toute façon. Et ça grandit, cette communauté grandit. Là. Le fait de partager ce qu'on fait, on a de plus en plus de messages, de questions, et on s'en aperçoit de plus en plus. Tous les jours, j'ai plein de messages. Donc désolé si je ne réponds pas à tout le monde tout de suite. C'est pas grave, on comprend. Ouais. J'aimerais bien vous demander, moi je suis bébête, je sais pas, je veux faire mon airship, je commence par où, je fais quoi? Tu me conseilles quoi? Eh bien déjà de te renseigner sur tous les sites que tu vas pouvoir voir des airships, te renseigner auprès des personnes. Nous, c'est pas ce qu'on a fait du tout, on était convaincus du truc. On a rencontré une personne en fait qui a fait l'académie airship en France, qui s'appelle Mathieu Guillaumard. Son site, c'est lamatière.org. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis, grâce à lui, il nous a fait les plans. Mais avant ça, on a regardé des sites comme autarcie.org. Qui nous a orienté sur le phénomène de consommer de l'eau de pluie, de l'utiliser pour tout dans la maison. Après, on a regardé des choses comme des sites comme Negawatt pour voir l'impact du photovoltaïque ou carbone 4, toutes ces choses-là aussi, un peu pour voir si c'était correct par rapport à ce que préconise Monsieur Michael Reynolds qui a créé les Earthships. Après, on a eu des bénévoles aussi sur le chantier par le biais de Twiza, là, dont on a parlé. Mais elle s'appelle comment, votre chaîne YouTube? Très bonne idée, donc elle s'appelle Urgence Planète Verte. Urgence Planète Verte, et tout est dit, hein, je crois. Ouais. Urgence Planète Verte. Bon, bah, dépêchez-vous. Commencez par vous abonner à leur chaîne YouTube. Vous allez apprendre beaucoup de choses, et puis bah, vous allez vraiment découvrir leur parcours et le cheminement dans ce truc de ouf. Alors ici, c'est la cellule dite botanique. Alors qu'est-ce que c'est la cellule botanique? En fait, là-dedans, on récupère toutes nos eaux grises, toutes les eaux usées qui viennent de la douche, de la salle de bain, qui viennent de notre évier. Ça arrive juste ici, en plein milieu, là. Ouais. Et à partir de là, bah, toutes les eaux sont réparties sur toute la longueur de cette cellule botanique. La particularité, c'est qu'à l'extrémité, là-bas, tout au bout, tu as une petite pompe qui fait circuler l'eau en permanence pour qu'il y ait en fait, de l'oxygène qui s'intègre à cette eau-là, que les bactéries se mettent en route, et puis en fait que des nitrites et les nitrates soient là à disponibilité pour nos futures tomates, pour nos futurs piments, pour notre salade, pour nos melons. Et pour notre bananier aussi, qui est en train de pousser. Pour un bananier, t'as un bananier chez toi. On a un bananier chez nous. Et là, on en est à peu près à une dizaine de feuilles. Et quand il aura 27 feuilles, on aura un régime de bananes. Ah d'accord, c'est 27. Tous les 27 feuilles, ça, et voilà. Et à chaque coup, il y en a un nouveau qui pousse à côté, et qui va grandir, et qui va remplacer celui qui aura fait son... Ça, c'est votre jardin intérieur qui récupère toutes les eaux de pluie Alors, non, pas les eaux de pluie. Les eaux de pluie, elles sont stockées à l'extérieur, là, d'accord, dans la butte de terre qui est à l'extérieur, derrière. Ouais. On a 19 000 litres d'eau de pluie. Ouais. On utilise cette eau de pluie pour toute notre consommation, même la boisson, aujourd'hui. Incroyable. Et toute cette eau, une fois qu'on s'en est servi, elle vient à l'intérieur de cette cellule botanique qui est complètement isolée de l'extérieur parce qu'il y a une membrane étanche à l'intérieur, d'accord, pour pas que l'eau se diffuse partout, pour qu'elle soit traitée à l'intérieur. Et le traitement, en fait, c'est l'oxygène parce que la pompe est mise en route et aussi les plantes bah, qui utilisent cette eau, qui l'évaporent et puis ça fait un cycle complet, quoi, sans passer par nos moyens actuels de fonctionnement. Donc tu me disais, il y a un module électricité, là on va pas aller le voir parce que c'est dans le noir, ça va pas bien se voir à la caméra. Mm-hmm. Ça marche comment ce module électricité? Bah, ce module électrique, c'est tout simple, en fait, il y a du soleil, il y a des panneaux photovoltaïques là, sur toute la façade de la maison, il y a 4000 watts de réception, qui vont être stockés dans des batteries, ou alors qui vont être utilisés en direct à travers la maison, à travers nos besoins qui sont réguliers. Pendant la journée, avec la lumière du soleil, c'est utilisé directement.
Sinon, la nuit, bah, c'est par rapport à nos batteries. Ça va distribuer partout sur notre réseau électrique de la maison. C'est aussi simple que ça. Après, la partie potabilisation, parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, ok, vous utilisez de l'eau de pluie, alors comment ça se passe? Ouais. Bah déjà, dans un premier temps, le toit, on arrive sur des cuves, il y a un filtre en amont qui filtre, on va dire, les plus grosses particules, tout ce qui peut se déposer pendant qu'il fait beau, c'est-à-dire sur la toiture. Il y a un premier filtre en amont des cuves. Une fois que les cuves sont pleines ou pas forcément en fait, on a 19 000 litres de cuves d'eau de pluie qui sont captées par une pompe qui est à l'intérieur de la maison, là, avec le filtre que je vais te montrer. Il y a deux filtres mécaniques. Après ces deux filtres mécaniques-là, on va desservir tous les robinets de la maison, sauf un robinet qui nous sert à potabiliser l'eau, avec lequel où il y a un filtre à céramique. Et ce filtre à céramique, lui, filtre à 0,2 micron, donc ça filtre presque tout. Oui, d'accord. On va du plus gros au plus fin. Au plus fin, exactement. Et ça nous permet bah, aujourd'hui de nous consommer notre eau. Vous consommez votre propre eau de pluie, finalement, ouais, tout à que fait. Vous buvez, ouais, avec ouais. Laquelle vous faites tout. C'est ça, exactement. Tout, incroyable. Ouais. Ok, super. Après, je peux te parler du système de chauffage, comment ça fonctionne. Ça, avec c'est plaisir, intéressant. Ouais. Alors, on peut imaginer ici que, tu vois, en plein été, il fasse super chaud. C'est le cas. Hein. Mm-hmm. Quand il fait 39 à l'extérieur, ici, à l'intérieur, il fait 36 degrés à peu près. Mais dans les pièces de vie, là, au plus chaud de l'été, on a eu jusqu'à 26 degrés. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on va aller voir. Hop. Ici, donc ici, on est dans ton bureau, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et là... ici, on a une trappe dans laquelle bah, tu peux regarder, mettre ta caméra dedans, tu vas voir le jour au bout. Ah oui, peut-être. Incroyable. Ouais. Et en fait, ça, ce sont des puits canadiens. La terre, à partir de 80 cm de profondeur, est toujours entre 10 et 13 degrés. Et en fait, on va récupérer cette inertie de la terre. Par le biais de ce tube-là qui passe à l'intérieur de la Terre, on va récupérer des calories. Alors, soit l'hiver, c'est pour récupérer la chaleur, parce qu'en imaginant qu'il fasse 5 degrés dehors, on va passer dans un endroit qui est à 10-13 degrés. Ici, ben, ça rentrera avec une température qui sera plus intéressante. Et au contraire, l'été, à l'extérieur, quand il a fait à peu près 40 degrés, ici, par les puits canadiens, on avait une vingtaine de degrés qui rentrent. Incroyable. Donc, quand il fait chaud dehors, ça va rafraîchir l'air, voilà. et envoyer de l'air frais et sain dans la maison. C'est ça. Et inversement, quand il fait froid dehors, ça va le réchauffer. Exactement. Eh oui. C'est ça aussi qu'on appelle les pluies provençales, c'est la même les chose pluies, alors, c'est deux termes techniques. Tu as tout à fait raison. Là, ce sont plus des puits provençaux. D'accord, que des puits canadiens. Parce d'accord. Que les puits canadiens, en fait, au Canada, comme il fait très froid, oui. Les 80 cm de profondeur, eux, c'est 2 mètres où il faut creuser pour récupérer l'inertie de la terre. Je ne savais pas la différence. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, okay, ouais. Ok. Et le principe du hardship, c'est d'avoir cette bouche-là. Alors, on peut dire, oui, il n'y a pas de ventilateur, donc ça ne peut pas fonctionner. Ben, si, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que, en correspondance de ce trou-là, il faut, dans tous les cas, que toutes les pièces soient fermées. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on est découplé de la zone qui est ici, là, c'est-à-dire de la zone tampon. De ouais. La zone tampon. Si les portes sont fermées et que ces lanterneaux qui sont ici, si tu veux venir dehors, tu je reviens. Mieux. Voilà. Les lanterneaux du haut sont aussi ouverts. Ah oui, d'accord, voilà. Ça, c'est ça les lanterneaux. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. À partir du moment où tout ça s'est ouvert, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un flux de l'air frais qui est là, et l'air chaud ici a tendance à s'élever, donc ça va faire aspirateur, ni plus ni moins, et ça va aspirer l'air frais qui est là-bas. Donc c'est de la VMC, on va dire, gratuite. Zéro raccordé à l'électricité. C'est la VMC naturelle, écolo. Exactement. La seule chose, s'il y a quand même un automatisme, c'est moi. Quand il fait trop chaud ou quand il fait froid, on ferme. C'est juste ça. Et oui, d'accord. Et finalement, c'est que des matériaux naturels. Ouais. C'est des bois, c'est du verre. Oui. Et le mur qu'on voyait là-bas, donc derrière, il y a une couche de pneus, mais je ne les vois pas, les pneus. Alors, dessus, c'est exact, il y a du torchis. Il y a du torchis et une. Il y a une couche de corps qui s'appelle le torchis, qui s'appelle pour le remplissage. Et après, en surface, là, tu as de l'argile, pareil. Tout ça, c'est de la terre. Ça donne un rendu qui est très joli, très moderne. Et la particularité de ça, c'est que c'est très sain aussi pour les habitats, c'est que ça respire. Ah
Ça respire, ça récupère l'humidité et ça la restitue au bon moment. Il y a toujours un degré hygrométrique qui est très bien à l'intérieur d'une maison comme ça. Si par exemple, tu vois, il n'y a pas de ventilation dans une maison standard, on va dire, s'il n'y a pas de VMC, au bout d'un certain temps, il y a de l'humidité qui se dépose partout et ça moisit. Là, pas de problème. Les murs sont là pour récupérer. Et notre plafond aussi, parce qu'à l'intérieur, on a 40 cm de chanvre. Et le chanvre, il a la particularité, c'est de respirer aussi l'hygrométrie à l'intérieur. Donc là, c'est des tôles en ferraille que tu as mis, c'est comme des bacs acier. C'est ça, c'est du bac acier, c'est de la tôle ondulée tout à fait standard, mais au-dessus, il y a 40 cm d'isolant en chanvre. Wow. Okay. Et ça, c'est un isolant, en plus de ça, qui nous va bien, parce qu'il a été fabriqué à quelques kilomètres d'ici, qui a été transformé. Puis en plus de ça, le chanvre, aujourd'hui, on utilise les graines pour la cosmétique, pour les produits pharmaceutiques. On utilise toutes les fibres, soit pour des fringues, soit pour mettre dans de l'isolant. Et l'écorce qu'il y a autour, ça s'appelle la chêne vote de chanvre. Tu le mélanges avec de l'argile et ça te fait aussi un isolant pour les murs. C'est super complet. En plus de ça, les agriculteurs sont super contents de planter ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une fois que c'est planté, ça pousse tout seul. Pas de besoin de pesticides, d'insecticides. Et s'il fait très chaud, elles sont contentes. Donc, c'est super. Alors, ça, c'est une création de mes propres mains. C'est une cuve d'eau chaude sanitaire pour réchauffer l'eau chaude sanitaire. En fait, il y a trois solutions là-dessus. Le truc, quand on est en autonomie, c'est de viser toujours une sortie de secours. Mm-hmm. Là, il y en a trois. C'est-à-dire que là, cette partie-là, c'est l'eau chaude sanitaire grâce au solaire uniquement. Mm-hmm. D'accord ? Donc, dès qu'il y a des rayons de soleil, là, les panneaux se mettent en route et puis la petite pompe se met en route et ça réchauffe l'eau chaude à l'intérieur. La deuxième solution, il y a un autre serpentin ici qui est raccordé à notre cuisinière à bois qui est à l'extérieur. Cuisinière à bois ? Ouais. D'accord, ok. Qui va aussi réchauffer l'ambiance, mais qui sert aussi à réchauffer notre ballon d'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est quoi, ça ? Ça, en fait, c'est un foyer. Tu mets trois bûches à l'intérieur et tu vas te chauffer ton eau à 80 degrés pour ton eau chaude sanitaire de tous les jours. Ça, c'est création maison. Ouais, création maison. Wow. Bah, je suis chaudronnier, donc oui. Ça m'aide aussi. Ben oui. Et ici, pièce de cuisine, pièce à vivre. Pièce de vivre, à vivre. Ici, c'est notre cuisinière à bois dont je t'ai parlé, qui est un petit peu particulière parce qu'à l'intérieur, il y a un bouilleur. Ouais. Et ce bouilleur, il sert à récupérer les calories du foyer pour les envoyer derrière. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Donc, il y a du chauffage par le biais de sa radiation, on va dire, mais il y a aussi de la récupération des calories derrière pour nous chauffer l'eau chaude sanitaire et nous mettre du chauffage si on a besoin de chauffage. Alors on a mis des radiateurs dans deux pièces aujourd'hui parce que on est dans le nord, on ne sait pas exactement si on va être OK au niveau du chauffage cette année. Bien sûr. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nouveau-Mexique, les hardships, ils sont dans le désert du Nouveau-Mexique et il fait entre moins 40 et plus 40. Donc si chez eux ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi ici ça ne fonctionnerait pas. Depuis combien de temps vous avez emménagé ? Depuis le 29 juin. Ah ouais. Mais alors du coup, ça va être votre premier hiver. Ah oui, c'est notre premier hiver. On a passé le premier été avec succès. 39 à l'extérieur, 26 à l'intérieur. L'hiver, ouais, on va voir comment ça se passe. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui ont rallumé leur chauffage à la maison. Là, tu peux le constater, il fait 21 degrés dans la maison, donc c'est très bien. Et alors que dehors, là, ça va faire maintenant une semaine et demie qui fait 11 degrés à l'extérieur, quoi. Dans la zone tampon, il fait un petit peu plus frais le matin. Mais une fois que dans la journée, il y a eu quelques rayons de soleil, paf, ça monte tout de suite en température. Et là, notre pièce de vie aujourd'hui, elle est plus dans la serre qu'ici parce qu'il fait meilleur en fin de journée. Ah ouais ? Ouais. Waouh, je suis vraiment impressionné. Hein. Et comme je te disais tout à l'heure, donc là, toute l'eau qui est ici... Ça va dans la cellule botanique. Mais alors du coup, tu ouvres le robinet, c'est comme un robinet normal, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent, hein. La seule chose, c'est que les tuyaux qui sont au bout, ils ne vont pas à la station d'épuration du coin, hein. Ils vont dans la cellule botanique qui est à l'extérieur. Et là, je reconnais, c'est le fameux filtre pour à gravité, il me semble. Ouais, hein, c'est ça, exactement. Donc, ouais. Beaucoup, filtre à gravité, c'est ce qu'on avait dans la maison avant. Mmh. Et puis ça c'est encore un moyen de secours aussi, hein. Si on n'a plus d'eau ici, on peut aller chercher un peu d'eau dans la cuve, le filtrer et puis on va l'avoir derrière, quoi.
On n'en a pas parlé, mais comment elle est orientée la maison par rapport à... C'est plein sud, c'est comment? Ouais, c'est exact, c'est tout à fait ça. On est orienté plein sud, pourquoi? Bah, pour avoir le maximum d'ensoleillement possible. Et puis on sait qu'au nord, de toute façon, on n'a aucun intérêt à Il n'y a pas avoir d'espoir. des ouvertures. Donc là, du côté nord, en fait, on a un tas de terre hein, qui est à partir de 3 mètres de hauteur, à peu près sur 6 mètres de longueur, qui va justement isoler la maison. Bah de la chaleur ou du froid l'hiver. Et donc là, ici, tout ce qu'on voit là, ce pan de mur, c'est là où il y a les pneus, C'est comme ça, ceci. Ils exactement. sont, ils sont montés en biais, en fait, hein. On voit le mur, il est Oui. légèrement en biais. Ouais. Alors, comme je t'ai dit, on n'a pas du tout utilisé de béton ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que quand tu mets les pneus les uns sur les autres, pour contrer le phénomène d'appui de la terre qui vient de derrière, on les décale de 3 cm. Oui, tu les mets un peu en quinconce pour... Voilà. Ouais, d'accord, je Voilà. Tu les comprends. mets en quinconce, mais tu aussi les décales de plus en plus quand tu montes Ah oui. pour éviter les repoussées de la terre. Et ça, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Là, le brevet qui est de la personne des ponts et chaussées qui a déposé son brevet avec l'étude de ses pneus. C'est super joli. Alors, au plafond, je vais essayer de le montrer. T'as mis des planches en bois, ça fait tout un beau plafond comme ça en bois brut naturel, c'est super joli. Alors ça a une particularité, c'est du bois qui vient de très loin, qui est très recherché. Non, pas du tout. C'est de la planche de coffrage toute simple. C'est de la cagette, C'est ça, c'est c'est exactement du bois ça. de C'est soit palette. toi. Ouais. C'est des planches de coffrage toutes simples. On a été chercher une pile de planches de coffrage au marchand du coin, et puis on a mis ça au Mais plafond, ça le fait. cloué, Ça le fait, et c'est fou. ça rend très bien. Et donc derrière, bah, tu t'es fait une espèce d'espace salon Ouais, qui n'est pas complètement terminé qui encore. Et on va avoir bientôt un petit. Comment ça s'appelle? Je sais Un, pas. je me rappelle plus. Vidéo. Un petit projet, un vidéoprojecteur pour Ouais, pour. s'envoyer des films sur le mur, quoi. Et voilà. Et je constate qu'il n'y a pas de télé. Brûlez votre télé. Voilà. Ouais. Vendez-la. Choisissez vos informations vous-même. Allez chercher vos Ouais, informations. ou regarder des films avec, mais... Voilà, c'est ça, exactement Et ça. donc là, ici, on voit ça, c'est une ouverture du puits canadien, c'est Voilà, c'est ça? ça. En fait, sur la maison, il y a 7 puits canadiens qui sont mis dispatchés sur toute la longueur de la maison. Contrairement à une VMC, comme tu sais, ça aspire d'un côté et puis par les fuites de la maison, ça fait rentrer de l'air. Là, nous, c'est nous qui gérons. Hop, on ouvre ou on ferme nos puits canadiens. Là, bah, ils sont fermés puisque c'est l'hiver. Mais si on veut rafraîchir l'air de la maison, on ouvre les lanterneaux Clac, extérieurs. clac, tu On ouvre l'ouvres. ici, un quart d'heure, 10 minutes, pof, on Un referme, quart d'heure, pas terminé. plus. Ouais, une fois que ça a bien ventilé, tu as renouvelé l'air et puis c'est reparti pour un temps. Tu sais, la différence avec une VMC, c'est que la VMC, si elle s'arrête, comme les maisons sont très étanches avec tous nos complexes qu'on a mis dessus, les peintures complètement étanches, ben, ça moisit très rapidement, ça Exactement. sent mauvais. Ouais. Là, chez nous, avec la terre, là, elle récupère l'humidité et ça ressort quand ça a besoin. Waouh, je suis vraiment impressionné. On peut parler des WC, peut-être, si tu Allons voir les WC, tiens. veux. Alors, j'ai une chance du tonnerre parce que Frédéric a décidé de m'emmener aux toilettes. N'y voyez rien de malsain. Nous allons vous montrer le fonctionnement des toilettes parce que ce n'est pas les toilettes normaux. Voilà. Nous, c'est pareil. En fait, suite à beaucoup de lectures, et puis j'ai assisté à une conférence d'un gars qui nous a parlé de l'eau. Et en fait, ce gars-là a commencé sa conférence en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi, avec 100 grammes de matière fécale, on arrivait à faire 10 kilos de merde. Bah oui, parce que quand on tire sur la chasse d'eau, on envoie 10 litres d'eau avec 120 grammes de matière fécale, et ce qui fait qu'il y a une grosse pollution. Et sur le site autarcie.org de Joseph Herzog, en fait, il explique vraiment pourquoi c'est une hérésie aujourd'hui d'utiliser ça. Ah bah Bien écoute. que ça a été très utile à une certaine époque, parce qu'à Paris, s'il n'y avait pas eu, enfin, s'il n'y avait pas eu ça, le choléra, toutes ces choses-là, ça se serait encore développé. Pour des questions d'hygiène, bien Voilà, entendu, c'est oui, ça, ouais. bien Mais sûr. aujourd'hui, il y a d'autres solutions, mais on les met pas forcément en avant parce qu'on a un système qui existe et on l'exploite, on Bien l'exploite, on sûr. l'exploite. C'est Alors comment difficile. ça marche? Montre-moi. Alors, comment ça marche? Ben, ce sont des toilettes sèches. Mais des toilettes sèches, c'est un tout petit peu particulier, en fait. Ce sont à séparation parce qu'on voulait pas trop s'embêter avec de la sueur à rentrer à la maison, ceci, cela. Donc, ça, c'est les séparations. Donc, ben, on s'assoit.
comme sur des toilettes dites standards. Ouais. Et derrière ses popos, devant ses pipis, le pipi est récupéré, ça s'en va dans la cellule botanique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'urine, c'est un très bon fertilisant. D'accord. Si on utilisait ça, si on récupère l'urine de tout le monde, on pourrait arroser les champs. Et derrière, on a un seau, on récupère notre seau, et puis on va le mettre à composter pendant 3 ans. Et après, on l'utilise pour notre jardin. C'est ce qui va ensemencer notre futur... Ce que je peux vous dire, c'est que en arrivant, je suis allé faire pipi, il n'y a pas d'odeur, ça non. sent rien, non. et c'est pas sale, ouais. vraiment, et ça, je peux, ouais. J'en suis témoin. D'accord. La particularité aussi, c'est que derrière, il y a un petit tuyau, et le petit tuyau, il sert à la ventilation. D'accord, alors attends, je vais essayer de les montrer. Bim, voici les toilettes. Hop, le système de séparation. On voit le petit tuyau au-dessus qui ouais. permet de ventiler, donc il ouais. n'y a pas d'odeur, effectivement. Voilà. Ok, très bien. Alors ça permet de ventiler, mais ça a aussi la particularité, c'est de dessécher les matières fécales. Donc elles sont sèches quand elles sortent d'ici. D'accord. Okay. Enfin, presque sèches, on va dire, et après, une fois que c'est mis en compost, ça fait sa vie derrière, et on rajoute un peu d'herbe dessus. Et là, ici, par là même, dans la serre botanique, ouais. dans le jardin, il n'y a absolument pas d'odeur non, particulière. De toilette ou quoi que ce soit. Non, non, puisque tout se trouve en dessous. Hein, Donc là, ici, en dessous, il y a des tuyaux hein, qui viennent donc voilà. faire circuler. En fait, on a rassemblé tout ce qui est pièces d'eau, comme tu peux voir. On a mis le ballon d'eau chaude à côté de la salle de bain, à côté de la cuisine, pour minimiser les déperditions de chaleur dans les tuyauteries quand elles vont directement, quand tu utilises l'eau chaude à un point. Et on les a rassemblés aussi pour que tout soit collecté à un endroit et arrive au même endroit aussi. C'est une question aussi de réflexion sur l'agencement des pièces pour que ça soit optimisé, pour que ça, tout fonctionne correctement. Bravo. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie cellule botanique, ce qu'on voit en apparence, là, il y a à peu près 40 cm de terre, mais en dessous, il y a 40 cm de gravier hein, dans laquelle l'eau va passer. Et en fait, c'est dans les graviers que vont se développer toutes les bactéries, que ça va se mettre en route, tout ça. Alors, tu m'expliquais que dehors, dans le jardin, il y a également une mare, c'est ça, pour oui. récupérer ouais. Ça se passe comment? C'est entre la serre dans laquelle on est, le jardin intérieur, en quelque sorte, et le dehors, il y a encore une circulation? Non, il n'y a pas de circulation à l'extérieur. La cellule botanique, ici, elle est complètement étanche. Pas D'accord. du tout raccordée à l'extérieur, parce okay. qu'on ne veut pas aller polluer à l'extérieur. Je comprends. On veut que nos eaux soient complètement traitées et que nos plantes puissent les récupérer et s'en nourrir. À l'extérieur, c'est le trop-plein des cuves. Ah oui. qui est raccordé sur notre mare. Mmh. Et notre mare, dans quelques temps, parce que là, on vient de la créer, mmh. ben, on va y mettre quelques poissons, et puis je pense qu'il y a des grenouilles qui vont arriver, certainement, et puis je pense oui. qu'il y a tout ce qui peut être autour. Bien sûr. Et juste à côté, on a nos deux ruches aussi, et puis je pense que nos abeilles vont pouvoir venir boire aussi de l'eau de notre mare, et puis l'écosystème va se créer au fur et à mesure des années. Quoi. Ça, c'est l'idée que l'on a de tout ça. Puis juste à côté, on a le verger avec les 140 arbres de 140 fruitiers. Arbres ouais, ouais. Wow, 140 arbres fruitiers, et on a 350 arbres qui forment la haie ici, mm-hmm. mais c'est des arbres aussi qui, à plusieurs époques, donnent des baies. Des baies qui sont aussi consommables. Il y a oui, plein c'est... de choses aujourd'hui qui sont consommables, et puis on a prêté attention aussi sur le fait que toute cette haie fleurisse beaucoup pour que nos abeilles puissent se nourrir, et puis les abeilles des autres personnes aussi. Quoi. Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui pour être complètement autonome? Je dirais la liberté totale financière. Ah oui, bah oui, ça, c'est bon, notre... On y travaille aussi, on y a travaillé aussi. J'ai 56 ans, Sabrina a 50 ans, on a bien travaillé, on a investi, et puis aujourd'hui, on va vivre plus tranquillement. Quoi. Bien sûr. Tu vas être libre de pouvoir lever le pied. C'est ça. Sans être obligé de devoir marner tous les matins. Voilà, voilà. Aller au boulot à contre-pied comme beaucoup. La liberté financière, c'est pas blanc ou noir. Hein. C'est-à-dire que quand on dit la retraite anticipée, c'est pas nécessairement tout arrêter et de la couler douce sous les cocotiers. Il y a plein de nuances là-dedans. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ça ouais, peut ouais. être décidé de bosser à temps partiel. Ça peut être pour certains décidé de faire un petit peu d'intérim de temps en temps. Ouais, ça ouais, pourrait exactement. Être de. Lever bah, le pied, tu puis vois. De se mettre à son compte, et puis par le biais ouais, de l'auto-entrepreneur, tu travailles au rythme que tu as envie, et puis en fonction prendre de tes le besoins. Risque, tu sais, bah, tu vois, t'oses pas prendre un risque, parce que bah, il faut bouffer à la fin du mois. Ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais. ouais exactement, c'est ça. Et ça a été notre prise de décision depuis très longtemps, et ça fonctionne bien quand même. C'est vrai. ouais, ouais. Félicitations, super. Merci. Puis tu vois, le fait aussi, c'est que aujourd'hui, je vais pas aller bosser, mais je vais aller travailler au jardin. Ouais. Et là, quand on travaille au jardin, on sait pourquoi on va travailler. Bien sûr. Le résultat, il est là. Ce que tu peux voir dans le jardin, ben, on consomme tous les jours, quoi, aujourd'hui. Hein.
Ben oui, bien sûr. Alors, je sais pas si on va le voir. Hop. Je vais essayer. Si on voit un peu le jardin, voilà. Parce qu'il y a un très beau jardin. Je vois des belles citrouilles, des fleurs et tout. Il y a quoi comme barrières? Comment on les franchit, les barrières mentales qui font qu'on s'engage dans un projet qui, pour certains, peut sembler aussi dingue et qui, pour vous deux, ont été possibles? Bah, les barrières, c'est la barrière des autres déjà, qui t'empêchent, pas qui te disent que c'est des choses qui sont complètement folles et il faut pas te lancer dans ce genre de projet. Mais après, ça n'appartient qu'à toi. Donc, c'est la vision que tu as de ton envie de faire quelque chose qui va te pousser. C'est après, bah, de rencontrer les bonnes personnes, bien évidemment. Mais en fait, le chemin se crée à toi quand tu as envie de quelque chose. Tu sais ton but, où tu veux aller. Et sur ton chemin, de toute façon, tu vas rencontrer les bonnes personnes. C'est ce qui nous est arrivé. Je pense aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en est là. Puis après, il faudra faire abstraction, c'est ta conviction personnelle, et puis pas te laisser abattre par les convictions des autres surtout. Ça, c'est important. Vous avez eu des personnes peut-être dans la famille, dans l'entourage, qui vous ont dit « mais ça va la tête ?» Bien sûr, des voisins, plein de monde, plein des gens sur les réseaux, puisque comme on partage aussi ce qu'on fait, des messages pas très très sympas. Ah oui. Mais ça, au début, c'est dur. Ouais. Et puis après, tu passes au-dessus, puis tu t'en fiches, quoi. Comme on était une bonne équipe, en fait, on a réussi à tous se monter vers le plus haut, en fait, pour être bien au niveau de notre tête. Parce que bah, parfois, il y a des moments de fatigue aussi, de fatigue, grosse fatigue. T'as douté, parce parfois que, non, pas douté sur le concept, absolument pas. Sur la date un peu, mais ça c'était pas bien grave. Moi j'ai pas douté, j'étais persuadée d'une date, toi t'étais persuadée d'une autre date. Bon, on avait des objectifs différents, mais voilà. Au final qui sont le même. Mais non, pas douté, et puis fatigue, oui, une fatigue en fait à des périodes un peu difficiles, ouais. Parce que le temps était pas toujours avec ouais. nous, et c'était vraiment très très dur de travailler dehors, sous la pluie tout le temps, la gadoue, etc. T'as vu le terrain ici, c'est, ouais. ça colle un peu. Ouais. Et voilà, ces périodes où il a fallu en fait qu'on prenne un peu de pause gentille. Hein. Bien sûr. On a eu deux pauses. Ouais. Vraiment où il fallait vraiment qu'on pose et qu'on se pose, et puis après, comme je dis, on s'est pas engueulé du tout pendant le chantier, donc ça c'est génial. Je pense que là vous faites l'admiration donc non ça c'est super. Parce qu'on pourrait dire voilà, un couple qui travaille ensemble c'est pas toujours facile, mais bon, on a quand même on s'est se posé, on s'est parlé, et puis les gros chantiers, c'est vrai que ça met les couples à l'épreuve aussi. Ouais. Mais là l'objectif commun était important pour nous, donc Donc ce qui a fait que ça a effacé toutes les petites choses, on s'est dit ce qu'on avait à se dire aussi. Et puis quand il y avait des techniques, ou toi t'es plus technique, moi voilà, j'avais des idées, est-ce que c'est faisable de le faire, ah non c'est pas faisable, mais quand tu réfléchis un peu, bon bah c'est faisable. Peut-être est-ce que vous auriez un conseil à tous ceux qui hésitent peut-être à se lancer dans un investissement, dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose, tu vois, dans un projet à un moment donné, qu'est-ce que vous, qui êtes quand même chevronné dans ce domaine-là, vous pourriez nous conseiller? C'est un rêve en fait, quand on a un rêve, on l'a dans la tête, on l'a dans le cœur, mais il faut qu'il vienne des tripes. Ouais. Et à partir du moment où tu l'as dans les tripes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va forcément marcher. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà. Exactement. Exactement. Pas écouter les personnes qui peuvent nous démotiver, que ce soit en entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est personnel, ça. C'est vraiment la conviction personnelle. À partir du moment où on est convaincu de quelque chose, allons-y, on verra bien ce qui se passe. Mais parfois, tu as des personnes de ton entourage qui vont qui ont peur et qui te veulent du bien, tu vois, et qui vont te dire « Ah non, tu devrais pas », etc. Comment tu fais tu fais avec ça, tu vois? Bah ça, on est habitué depuis très longtemps, maintenant. On les écoute, on les écoute, bien évidemment, mais après, c'est notre raison qui fait que... Oui, bien sûr qu'on écoute. Ouais, on passe à côté de ce qu'ils disent, hein, de toute façon. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors je dois dire que ce tournage chez Sabrina et Frédéric, pour moi, ça a été vraiment une expérience tout à fait particulière, parce que, ben, je sais pas comment dire, mais quand j'étais dans cette maison, je me suis senti vraiment bien.
Je me suis senti dans quelque chose de paisible. On est à la campagne, il y avait un petit rayon de soleil, même s'il faisait frais, tu vois, je pouvais pas trop montrer les jardins en détail parce que ben voilà, il y avait beaucoup de gadoue dehors. Mais je sais pas comment t'expliquer. Je me sentais bien, je me sentais apaisé. Il y avait quelques petits a priori que j'avais sur les Earthship. Je m'étais dit, ouais, ça va peut-être être un truc un peu humide ou un truc dans lequel il pourrait y avoir des mauvaises odeurs. Et ben, je dois te dire que pas du tout. J'ai été extrêmement surpris. C'est quelque chose d'ultra, hyper moderne, simple et avec des matériaux, voilà, qui moi m'ont semblé vraiment nobles. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. C'est tout à fait le genre de maison, personnellement, dans lequel moi je pourrais me voir vivre. Ça colle assez bien avec mes attentes et avec ce que moi j'aime bien dans la construction et l'habitat. Bon, néanmoins, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, et c'est pas une petite chose, c'est que ça demande quand même un gros taf à faire, et puis ça demande aussi qu'on fasse les choses par soi-même. Ça veut dire que si on n'est pas du tout expérimenté dans l'autoconstruction, dans la construction de ta propre maison, eh ben, il va falloir vraiment passer un gros gap de formation, hein. Il y a toutes les associations qui existent, comme Frédéric nous l'a expliqué, hein, pour avoir des groupements, des partages d'expériences, et puis aussi des groupes de bénévoles qui viennent sur les chantiers pour travailler en collectif, c'est comme ça que ça marche. Donc bah voilà, c'est vraiment dans ce truc-là qu'il faut l'envisager, dans le partage d'expérience. Maintenant, toi, tout seul dans ton petit coin, si tu n'as aucune expérience dans le domaine de l'autoconstruction, bah, il va falloir quand même sacrément monter en compétences pour arriver à faire ça. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que tout ça, ça demande du travail, ça demande du temps, c'est du temps que tu vas investir dans la construction de ta maison. Après, il s'agit de choix de vie qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu le sais bien, et c'est vraiment tout ce que j'explique au fil de toutes mes vidéos sur cette chaîne, c'est que le bon choix, c'est celui qui va coller par rapport à ton profil, tes attentes, et là où tu en es dans ta propre vie, sur ton propre parcours, ton propre chemin de vie. C'est comme ça qu'on avance sur le chemin de l'indépendance financière, il n'y a pas de recette magique. Il y a des outils qu'on peut essayer d'utiliser et qu'il faut essayer d'activer, c'est tout ce que j'explique, notamment dans le cadre de mes formations ou dans le cadre des coachings. Je t'invite à aller faire un tour encore une fois si tu l'as pas vu. Il y a 1h40 déjà, toute la première introduction de ma formation qui est en accès complètement gratuit. En plus, si tu veux, on peut prendre un rendez-vous pour faire un petit Skype et voir si ça peut coller par rapport à tes attentes et ton profil. Je suis tout à fait OK pour en discuter de manière complètement gratuite. Voilà, donc moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut essayer d'avancer et d'essayer de trouver pour chacun des solutions qui soient pertinentes et adaptées à ton profil, tes attentes et ta situation. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce. Les questions, c'est en commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de t'abonner à la chaîne. Et également, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies au quotidien. Il te suffit d'aller sur mon site internet www.lefrugalisme.com pour le télécharger. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao.